Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, comme d'habitude, je vais dire bonjour à tout le monde. Luciana est là, bonjour. Edgley Costa est avec nous. Yossi est là aussi. Stardust est là aussi. Alors, on espère que c'est toujours 6. Peut-être 7. 7, Stardust, 7, ça serait formidable, non ? Qui est-ce qu'il y a d'autre ? Alors attendez, je vais regarder. Roman est là, bonjour. Ça discute. Sundar est là. Victoria Jacques qui nous dit bonjour. Victoria Posse qui nous salue. Omar est avec nous. Cosmina est là aussi. Annabelle est là aussi. Yann Arte est là. Gloria, coucou. Renato Silva. Bébé Moette, je ne sais pas comment prononcer. Bonjour de Californie. Ah, ça doit être tard pour vous. Ou tôt. Hilary est là. Ekuvanisht est avec nous. Qui est-ce qu'il y a d'autre ? Ah bah écoutez, tout le monde est là, j'ai l'impression. Paula est avec nous. Ava nous dit coucou. Mohamed Reza est là. Rabin est là. Rabi. Berila 71. Abena. Waouh, il y a du monde, il y a du monde, c'est bien. N'oubliez pas, s'il vous plaît, de cliquer sur le petit bouton. Ce serait très, très gentil. Et puis, dans 4 jours, c'est l'anniversaire. Aucune idée de ce qu'on va faire. On va faire un cours normal. Peut-être un petit peu plus olé olé. Shahi est là, bonjour. Qui est-ce qu'il y a ? Sophia X nous rejoint. Et Ayob nous dit bonjour. Bonjour Ayob. Et Mélissa Madrid aussi. Allez, on commence. Alors, Stardust nous dit « Je sens tous mes doigts ». Ça, c'est une bonne nouvelle, mais ils font très mal. Bon, ça, c'est une moins bonne nouvelle, mais en tout cas, vous les sentez. Je serai lent. Oui, mais c'est pas grave. Hein. Prenez votre temps, on n'est pas pressé. Alors, comme chaque jour, j'essaye de vous proposer une chanson, et là ce sera un livre. Donc la chanson du jour, eh bien c'est pas une chanson très joyeuse, parce que ma journée n'était pas très joyeuse, mais c'est pas grave. C'est une grande chanson du patrimoine français maintenant. C'est une chanson de Jean-Jacques Goldman et de Sirima, et ça s'appelle « Là-bas ». Si vous avez envie de découvrir une chanson française, qui fait partie maintenant des standards de la chanson contemporaine française. C'est une chanson assez intéressante. Les textes sont intéressants aussi, donc vous pouvez la regarder. Et puis, c'est pas un film, mais c'est un livre. Enfin, c'est un film aussi, mais c'est un livre. Quand j'étais jeune, j'aimais bien l'écrivain Philippe Djian. Je l'aime toujours, mais bon... Et Philippe Djian a écrit beaucoup de livres qui sont à mon avis assez intéressants, et un livre qui a été un petit peu plus connu que les autres, c'est 37 de le matin, puisqu'il y avait eu une adaptation au cinéma. Donc c'est un livre et c'est un film en même temps. Voilà, c'est mes deux recommandations du jour. Laurent nous rejoint, et Laurent connaît particulièrement bien les chansons françaises, puisque Laurent chante magnifiquement dans les karaokés. Allez, on va attaquer avec la question du jour. La question du jour, c'est pas très philosophique, mais en même temps, c'est intéressant. Quel est votre moyen de transport préféré et pourquoi ? D'accord ? Donc, une petite phrase pour m'expliquer ça. Allez-y. Alors, Luciana qui dit « Vincent, nous sommes tous jeunes ».
Mais bien sûr que nous sommes tous jeunes, nous sommes tous jeunes, soit dans notre corps, ou alors dans notre tête, ou dans notre cœur. Et ça, c'est plus difficile peut-être. Alors, Enoch nous dit, je préfère l'avion parce que c'est très rapide. Attention, on doit utiliser rapide et pas vite. Vite, on l'utilise comme un adverbe, puisque c'est un adverbe, mais avec d'autres verbes que être. Alors, Moussitene ou Moussintene qui nous dit bonjour. Bonjour, bonjour. Edley qui me dit j'étais un peu en retard. I'm doing that every day, so I allow myself what we call le quart d'heure académique. You know, at the university you've got 15 minutes, you can do that for 15 minutes, so I was on time according to these standards. Michael qui nous dit le métro parce que c'est très rapide. Ange Gabriel qui nous dit je préfère le train parce que c'est rapide aussi, effectivement. Ice Cube qui dit ce week-end je peux chanter cette chanson, nous allons faire un karaoké sur Zoom. Oh, il faut dire ça à Laurent. Laurent a quelques chansons, il chante magnifiquement bien. Avec Laurent, nous faisions des compétitions de SingStar. Et bien sûr, la chanson, c'était Take On Me de A-ha, qui était un petit peu plus complexe. Ramsey qui nous dit bonjour, bonjour, Ramsey. Participez, s'il vous plaît. Ramsey, it will be in French, this one, okay? Tomorrow, it will be in English and French. But this one is for advanced, so it's only in French. Stardust, je préfère mes pieds. Et parfois, je prends un bus. Le bus, c'est sympa. Moi, j'aime bien aussi, on voit les choses. Mohamed Reza, en tram, parce que ça ne me donne pas trop de peine pour me déplacer à pied, très bien. Et Kouvanich qui dit, mon moyen de transport préféré, c'est la voiture. Yossi, je préfère me servir de ma voiture pour tous les endroits où je dois aller. Paula, le vélo, car ça fait du bien, c'est vrai, à plusieurs parties du corps. C'est écolo, et même si ça date de longtemps, ça continue toujours à se réinventer. Ah oui, ah oui. Ah, puis même les vieux vélos, moi j'ai un très vieux vélo, formidable. Il est lourd, mais formidable, et il marche très bien. Olga qui dit « L'avion, j'aime voler !» Olga aime voler. Hilary, attendez, ça va très vite. Hilary qui nous dit « Mon moyen de transport préféré, le train, parce que je peux lire des livres dans le train. » Ça, c'est vrai. Renato, « Le moyen de transport que je préfère, c'est d'aller à pied, parce que c'est plus naturel. » Rose qui nous dit « Je préfère ma petite voiture. » pour aller dans toutes les rues. Annabelle qui nous dit la voiture, c'est confortable. Eh bien oui, c'est vrai. Sophia qui nous dit pour moi, c'est toujours ma voiture, j'aime mon indépendance. Luciana, je préfère le métro, si possible, parce qu'il est plus rapide en général. Ça, c'est vrai. Cosmina qui dit mon moyen de transport préféré, c'est la voiture, parce que je peux l'utiliser à tout moment et de toute façon. comment ça? Ah oui, je ne sais pas. Qu'est-ce que ça veut dire la dernière partie, Cosmina? C'est bizarre. Chrismo, je préfère le bus parce que il est un temps de souffrir avec les autres. Vous voulez souffrir, Chrismo? C'est pour ça que vous préférez le bus? C'est bizarre. Roman, si la distance est courte, je préfère marcher. Mais si c'est long, alors j'irai en bus. Mélissa qui nous dit j'aime beaucoup voyager à moto parce que c'est chic. Ouais, pour les longues distances, c'est physique quand même. Hein. Victoria Jacques, je préfère la voiture, mais quelqu'un d'autre doit conduire. Les autres moyens de transport sont trop fréquentés à New York. Moi, j'aime bien prendre le métro à New York parce qu'on voit les rats. Hein, Victoria Jacques, on a parlé des rats. J'ai vu des scènes, des choses bizarres avec les rats dans le métro. Hein. Sundar, je préfère le bus parce que dans mon quartier, c'est facile à trouver et c'est pas cher. Mercurial qui préfère la télétransportation. Ça, c'est formidable. Comme dans Star Trek, chut,
Allez, emmenez-moi. Shahi, je préfère l'avion pour les longues distances, mais après le train et le bus. Victoria Possé, mon moyen de transport préféré est la voiture car elle donne beaucoup d'indépendance. Ça, c'est vrai. Skate Crisis, tu es imbattable sur Aha. Non, non, le dernier. Non, non, le dernier. Ah, mais c'était Imagination. Imagination, Laurent gagne toujours. Illusion, voilà. Vous slat, je préfère le métro parce qu'il n'y a pas de problème de trafic et c'est plus rapide. Ice Cubes qui nous dit c'est difficile de choisir, mais j'aime faire du vélo. J'aime voyager avec les bateaux ou les trains ou les avions. Vous n'êtes pas malade en bateau? Allez, on continue. À vous la parole. Alors, à vous la parole. Quel sera votre premier voyage après la pandémie, après que tout ça, toutes ces choses terribles se sont passées. Quel sera votre premier voyage? Quel voyage vous voudriez faire et où voudriez-vous aller? Eh bien, après cet épisode intéressant mais traumatisant de notre vie. Alors, c'est Yulia qui attaque. Et Yulia nous dit directement, je vais aller à Marseille, je pense. Bah oui, bien sûr, à Marseille, c'est formidable. Abena qui dit, mon pays, le Ghana. Très bien, eh bien, bonjour. Est-ce que vous allez dans votre pays, le Ghana? Faites des phrases, s'il vous plaît. Rose qui nous dit, le plus loin possible. Tout est relatif, hein, Rose. Hein. Tout est relatif. Yossi qui dit je vais visiter la Pologne, alors ça ce serait sympathique. Garage Dancer qui nous dit bonjour, est-ce que vous dansez dans votre garage? Enoch qui nous dit qu'il ou elle ira à la plage, d'accord. Vous Slat qui dit je n'ai aucune idée, réfléchissez, même ça c'est un plaisir, le plaisir de se dire où est-ce que je vais aller. Stardust, mon premier voyage sera au Moyen-Orient. Je veux voir mes amis, il me manque beaucoup. Ça, c'est vrai que c'est revoir ses amis, c'est toujours sympathique quand même. Hein. Anvi qui dit chez vous. Ah ben la porte est ouverte. Allez hop, il faut frapper, c'est Nicolas qui ouvre. Il veut dire bonjour. Ange Gabriel, je voudrais aller à Londres avec mon père. Victoria Jacques qui nous dit partout. Bah faut faire attention quand même, hein. Il faut limiter les voyages. Chris qui nous dit je vais au Texas pour rendre visite à ma nièce pour la première fois. Ça c'est bien. Si vous pouvez. Ah et donc elle est toute petite, c'est un bébé peut-être. Oh, ça c'est chouette les bébés. Luciana, je voudrais visiter Paris avec des endroits en France parce que mon premier voyage a été annulé à cause de la quarantaine. Bah oui. Oui. Cassandra, bonjour. Participez. Michael qui dit « Je voudrais voyager aux États-Unis ». Hillary qui dit « Ce sera l'Italie ». Ah ça c'est formidable l'Italie. Michael, si c'est possible, ce sera la Côte d'Azur. Cassandra, vous êtes en retard, c'est pas grave. Pas de problème, moi aussi, j'étais un petit peu en retard. Shahi qui dit « Je vais aller à Paris avec mes amis ».
Ça, c'est bien. Mercurial qui dit « Je visiterai Cuba et la Colombie ». Alors, ça aussi, c'est formidable. Renato, aucune idée, mais je voudrais faire des améliorations dans ma maison. D'accord. Chrismo, au cinéma ou au théâtre. Ça me manque beaucoup. La salle de gym, car j'ai grossi. Tout le monde. Chrismo, tout le monde. On a tous grossi. Faut qu'on aille faire de la gym. Victoria a posé. Mon premier voyage sera à Paris car je l'ai attendu depuis l'année dernière, ou je l'ai en attente, pardon, de l'année dernière. Mélissa Madrid, j'irai chez moi en Colombie pour rendre visite à mes parents et manger du mangostino. Alors ça, je sais pas, il va falloir qu'on recherche. Mélissa Madrid, ping, une photo, mangostino, vous envoyez, stino, pardon. Albena, je vais voyager dans mon pays. Rabi, je... Ah d'accord. Sofia, je vais voyager dans le centre de l'Europe, comme la Pologne et la Croatie. D'accord, d'accord. Sundar, je vais peut-être aller en Inde. Benter, je vais voyager au Sénégal, ça c'est bien, pour travailler avec une organisation Mercy Ships, d'accord. Sénégal, Benter, vous parlez français là, hein, il faut parler français. Roman, mon premier voyage sera à Barcelone parce que j'aime Barcelone. Ah, parce que j'aime l'équipe de football de Barcelone et la ville est très très belle. Ça c'est vrai que c'est une très belle ville. Cosmina, je n'ai aucune idée en ce moment. Mes premiers voyages seront chez le coiffeur. Petit voyage en voiture, tranquillement, et l'oculiste. Très bien. Olga, je voudrais aller en France, mais je n'ai pas d'argent. Ice Cubes, j'irai à Camogli pour laisser moi au bras de la mer bleue et verte. D'accord. Ah, des fermes viticoles. Ah, d'accord. J'avais pas compris. Et ah oui, d'accord. Et après, ce sera difficile de... Vous aurez mal à la tête, probablement. Ça, c'est ça, hein. Ah, Ice Cube dit « Je peux venir à Paris si nous nous rencontrerons ». Bah, bien sûr, moi c'est un plaisir. Si vous voulez que nous nous rencontrions tous pour peut-être aller au restaurant, peut-être se promener, boire bien sûr un petit peu de vin rouge parce que nous savons que Victoria Jacques veut que nous buvions du vin rouge, avec plaisir. Alors, souvenez-vous, hein, vos téléphones, c'est la possibilité d'envoyer clic-clic une petite photo avec un petit texte et puis je les mettrai bien pendant les cours que nous avons. Pour l'instant, j'en ai pas trop en stock. Il me restait quelque chose de Stardust que je devrais mettre. Mais en tout cas, si vous voulez les envoyer, l'adresse est vosphotos@fluentoplus.com. Merci beaucoup. Allez, c'est à vous de parler. La meilleure façon, eh bien oui, quelle est la meilleure méthode, la meilleure façon pour vous remonter le moral? Si vous n'avez pas le moral, quelle est votre technique pour vous sentir un petit peu mieux? Allez-y, une phrase s'il vous plaît, merci. Et je dis merci à Sophia X qui vient de m'offrir un café. Et vous savez qu'effectivement, le café, c'est un peu ma drogue. C'est ma drogue, c'est ma dépendance, j'adore le café. Merci beaucoup, Sophia. Thank you.
Alors, Victoria qui nous dit qu'elle va planifier notre rencontre, que tout le monde soit prêt. Moi, personnellement, je suis prêt. Là, je suis prêt. Je suis prêt à partir. Il faut juste que je m'arrange, bien sûr, pour que le jeune Nicolas ne se retrouve pas seul. Alors, regardons ce que vous proposez. Rachid qui nous dit que pour se remonter le moral, eh bien, il écoute le Coran. Ice Cube qui dit un peu de vin, du fromage et mes chansons préférées. Enoch qui nous dit aller acheter du chocolat. Anna Kobi qui nous dit faire du sport. Ouais, ça c'est une bonne idée ça. Hein. Ange Gabriel qui dit quand je suis énervé, j'écoute de la musique qui démarre plus lentement. D'accord, donc plutôt des musiques tranquilles. Julia qui nous dit du vin, du gâteau, dormir le plus longtemps possible. On appelle ça des cures de sommeil. Hein. Paula qui nous dit faire du vélo, écoutant des trucs qui me font réfléchir au fait que ma vie n'est pas si mauvaise que ça. Ça, c'est peut-être la technique, oui. Olga qui nous dit « Dieu et les mots dans la Bible ». D'accord ? Chris qui nous dit « Faire de la pâtisserie ». Ça, c'est pas mal. Ça, c'est... Oui, faire de la pâtisserie, c'est formidable. Mais après, on mange la pâtisserie. Et ça, c'est un problème. Luciana, c'est être ici avec vous tous. Nous apprenons et rigolons. Ben, on essaye, on essaye, on essaye. N'oubliez pas de cliquer. Garage Dancer, de la musique et de la danse. Ah donc vous dansez. Ça c'est vrai que ça peut être une bonne technique peut-être pour se remonter le moral. Il y a aussi qui dit ne pas penser aux mauvaises choses. Hillary qui dit la meilleure méthode pour me remonter le moral, c'est de me promener au soleil. Eh oui, mais il faut du soleil, hein, Hillary. Des fois, il n'est pas là. Ruth, peindre et la glace au caramel et au beurre salé de Bretagne. Oh, le... oui, je suis d'accord. Ruth, quand ils ont commencé à comprendre que le beurre salé dans les choses sucrées, c'était délicieux, c'était un gros problème pour beaucoup de monde. Et moi, j'en fais partie. Ah ouais, le beurre salé de Bretagne. Mais bien sûr, ma maman est bretonne, donc tout ce qui vient de Bretagne est sacré. Alors, regardons ensuite. Ekouvanish qui dit « Ma meilleure méthode pour me remonter le moral, c'est en écoutant de la musique. » Sundar qui nous dit « La meilleure méthode pour remonter le moral, c'est de penser profondément. » D'accord ? Stardust qui dit « la musique est la seule chose vraiment constante dans ma vie. Elle m'a beaucoup aidé dans toutes les situations. » Ouais, moi aussi. Moi aussi, c'est vrai que c'est une vie sans musique, c'est pas possible. Hein. En tout cas pour moi. Omar, « La meilleure méthode pour nous remonter le moral, c'est de faire ce qui nous plaît. » Victoria Possé, « Pour moi, la meilleure méthode pour remonter le moral, c'est de faire du sport. » Julia, oh là là, ne donnez pas des promesses que vous ne pouvez pas garder. Je ne sais pas de quoi elle parle. Sophia X, je téléphone à mes amis ou fais du sport. Benter, Dongo qui nous dit, je lis la Bible ou fais du sport. Victoria Possé, Victoria Jacques, la meilleure méthode pour me remonter le moral, Victoria Jacques nous dit, c'est de m'emmener en vacances merveilleuses. Ah bah oui. Donalov qui nous dit un petit McDo. C'est vrai que des fois, une petite frite avec un burger, ça peut remonter le moral. Roman qui nous dit écouter de la musique calme ou regarder un film. Anvi qui nous dit une tarte aux pommes. Alors Anvi, pour les spécialistes de la tarte aux pommes, c'est Ice Cubes que nous devons contacter. Ice Cubes est la professionnelle des tartes aux pommes. Renato, marcher à pied en écoutant de la musique. Kai Kai, je préfère ma voiture. Ah, rafraîchissez Kai Kai, vous n'êtes pas synchronisé. Vous, Slat, ma meilleure méthode pour me remonter le moral est de chanter une chanson qui me donne de l'énergie, par exemple Santiano. D'accord. Mouche, alors attendez, mouche cinéténé, d'accord. Pour me remonter le moral, il faut rire et faire du sport à l'air libre avec une bonne respiration.
Sherilyn qui nous dit « Regardez une émission humoristique comme The Chaser's Wars on Everything, une émission australienne, ou Taskmaster, une émission britannique. » Oui, vous avez déjà parlé de Taskmaster. Cosmina qui nous dit « La meilleure méthode pour me remonter le moral est de ne pas penser à, de ne penser à rien, pardon, de rester à la merci de l'univers et de me dire que si je suis le plus bas possible, désormais, je ne peux que remonter. » Mais ça aussi, c'est ma technique. Accepter le fait qu'on va très très bas, mais qu'il y a un moment où on ne peut plus aller plus bas, donc c'est bon. Annabelle, je commence à être reconnaissante de tout. Ça, c'est pas toujours facile, hein, mais c'est probablement la solution. Yann Arte, je pense à aider les données, les enfants... la meilleure méthode pour me remonter le moral, d'accord. Shahi qui écoute de la musique, ça lui donne de l'énergie. Merci beaucoup. Allez, comme vous le savez, hein, ça c'est devenu un petit peu un classique depuis quelques jours. Trouver un mot. Allez hop, on y va. Clétine Ho qui nous rejoint. Bonjour, bonjour. Trouver un mot qui commence par la lettre Q, s'il vous plaît. Allez-y. Alors, Stardust commence et nous dit que, d'accord, Mélissa Madrid, querelle. Des querelles, effectivement. Alors, querelle au singulier, c'est féminin. Une querelle. Hein. Luciana qui dit bravo, poétesse Cosmina. Eh bien, effectivement, Vouslat qui nous dit quoi ? Paula qui nous dit quiproquo, ouais, c'est masculin, quiproquo. Cosmina qui nous dit la quintessence, ça c'est un mot que j'aime bien, la quintessence. Hein, c'est vraiment, vraiment très doux à dire et puis le concept est intéressant. Chrismo, quinzomadaire, d'accord. Vous utilisez ça dans votre travail. Yesero, une queue de cheval. Hilary, 4. Sundar, la quarantaine. Attention, A-I-N-E à la fin. Clétin Hockel, Annabelle Nouvelle, une question. Benter qui nous dit une queue. Shahi Kel, Yann Arte, une question. Faites attention, pas de E à la fin. Yossi, un quai, oui, effectivement, à la gare ou au port. Victoria Possé, une qualité. Evelyne qui nous dit une quarantaine ou la quarantaine. Romane qui nous dit quitte. Est-ce que vous voulez dire le verbe quitter? Peut-être Luciana Moribé, la quarantaine aussi. Anna Kobilaque et Kouvanicht, 15. Omar, quoi ? Shahi, qui et quoi ? Yulia qui nous dit quotidienne, ou au masculin, quotidien aussi. Chris qui nous dit quelqu'un, très bien. Aslam qui nous dit travailler. Faites attention, vous avez oublié le R et deux T. Mercurialman qui nous dit quinquagénaire. Waouh, ça c'est bien. Renato qui nous dit quadragénaire. Rose qui nous dit mais quoi. Michael qui nous dit une quantité, la quantité, c'est féminin. Enoch qui nous dit 4. Hima qui nous dit quand. Ice Cubes qui dit quartier, masculin, un quartier, effectivement. Sherilyn qui nous dit quaternaire. Ah oui, c'est l'air. Hein. Olga qui nous dit questionner. Ensuite, alors, Moussinetene, c'est difficile. Qui nous dit quand, qui, que, quoi. Roman qui nous dit quitter, d'accord, vous aviez corrigé. Umut, quantité. Hima, qualité. Merci beaucoup. Allez, essayez s'il vous plaît de me trouver un mot qui commence par la lettre D. Merci beaucoup. Cupidon, faites attention, Julia, Cupidon c'est avec un C. Cupidon, C-U-P-I-D-O-N.
Pidon, le petit avec son arc et sa flèche magique. Alors, on attaque Yossi qui nous dit un discours, Vouslad qui dit un doigt, Renato qui nous dit désiré, Detso qui nous dit dépression. Ah, c'est vrai, on en a parlé juste avant, hein, quand on est triste, quand on se sent mal, féminin, une dépression. Evelyne dire, Mélissa Madrid une dinde, Ange Gabriel des doigts, Yessero déçu. Paula, un doute masculin, Cosmina Bellou, déconventionné, d'accord. Romane qui nous dit descendre, ensuite drôle, Sophia X, démontre, d'accord, donc c'est le verbe démontrer que vous conjuguez. Hilary qui nous dit demander, Annabelle qui nous dit dignité, la dignité, ça c'est fondamental. Faut rester digne dans la vie. Yann qui nous dit le dentiste. Michael qui nous dit désolé. Leilung qui nous dit un dossier. Cassandra qui dit déjà. Victoria Possé, une distraction. Sujet qui nous dit dynamique, cassé, démontré. Garage Dancer qui dit une quiche. Oh, ça c'est bon. Une bonne quiche. Alors là. Ekouvanish qui dit demain, demander. Shahi, désolé. Aslam qui dit demander encore. Julia qui dit un doute. Ouais, avec un E à la fin. Julia. Ange Gabriel, dérangeur. Cheryline, une déméthylase. Mais oui, mais qu'est-ce que c'est, Cheryline? Vous écrivez des mots. Je lis les mots. J'ai aucune idée. Aucune idée de la signification de déméthylase. Qu'est-ce que c'est ? Omar, déménager. Sophia X, découvre. Le verbe, c'est découvrir. Bibek, d'accord. Sundar, découvrir. Olga Ruiz, une décision. Riena qui nous dit bonjour, bonjour, bonjour. On est en train de chercher des mots qui commencent avec la lettre D. Aslam qui nous dit désolé. Riena qui dit un dîner, très bien. Garage Dancer, danser. Bon, bah, écoutez, c'est bien, merci beaucoup. Alors attention, là, je ne veux pas des mots qui commencent avec la lettre E. Non, 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 je veux des mots qui commencent avec E accent aigu. D'accord ? E accent aigu, allez-y. Que les choses soient claires, vous êtes 103 ou quelque chose comme ça là en ce moment et il n'y a que 73 likes. S'il vous plaît, c'est mon petit plaisir personnel d'arriver à au moins 100 likes par cours. Je vous remercie. Cliquez, cliquez, cliquez et n'oubliez pas d'écrire votre mot. Allez, on continue. Alors, maintenant, ça commence à arriver vite. Les Lungs, une école. Romane qui dit étrangement. Yossi qui dit étrange. Julia, une école. Yessero, une écharpe. Cosmina, l'échalier. Oui, ça fait longtemps que je l'avais pas entendu, celui-là. Avec vous, c'est sympa. C'est des mots que j'entends très rarement, mais grâce à vous, Cosmina, je m'en souviens. Mélissa Madrid, les élections. Hillary, une éponge. Alors attendez, j'ai perdu les gens maintenant. Hillary, on était là, ouais. Sundar, un écran. Cassandra, étrange. Yann Arte, étrangement. Albouga, écorné, ouais. Sophia X, écoutez, d'accord. Ange Gabriel, écoutez. Julia, espoir. Pas d'accent aigu sur le espoir. Donc, je ne peux pas vraiment l'accepter. Paula, élégance, féminin. Ruth, épuisée. Evelyne, être. Ah oui, mais attention, Evelyne, c'est un circonflexe. Idéalement, c'était un accent aigu. Hein. Annabelle, étranger. Michael, éléphant. Oui. Vous, cela t'évoquez. Omar, élevage. Très, très bien. Abena qui nous dit désir. Non, rafraîchissez, Abena.
On est sur le accent aigu maintenant. Je regarde les autres. Écoutez, émulsion, étudier, étudiant, étoile. Oui, très bien. Pas de problème. Équilibre, attention Chris, hein, accent aigu dans l'autre direction. Aslam qui dit étranger, attention Aslam. Rihanna, égalité, d'accord. Ice Cubes, écoutant étranger, écran exprimé. Exprimé, Ice Cubes, pas d'accent. Mm-mm. Parce que vous avez le X après. EX, vous avez la sonorité X. Detso également, oui. Thanatos, émotion féminin, oui. Vishant, écoutez-moi. Alors écoutez, c'est avec EZ. Merci beaucoup. Oh, Victoria Jacques, épuisement, quelle surprise! Vous êtes 105 personnes, je le vois, je vous vois tous avec mes lunettes rouges, vous êtes 105 et pourtant il n'y a que 77 likes, ça n'est pas raisonnable, s'il vous plaît, hop, cliquez sur le like. Alors, c'est la dictée de nombre. La dictée de nombre, bah, c'est le classique, hein, vous savez bien. On va commencer avec un chiffre et puis on va finir avec beaucoup plus. On commence avec le premier. Donc, le premier, uniquement un chiffre. Et bien sûr, je ne vais le lire qu'une seule fois parce que c'est le niveau avancé. 1. Alors là, effectivement, c'était très facile, c'est pour vous mettre en confiance, pour que vous ayez le sentiment que finalement, c'est relativement facile. Alors, on y va. Cherilyn qui explique. Les déméthylases sont des enzymes qui altèrent l'accessibilité de l'ADN pour finalement réguler l'expression génétique. C'est pas très clair, Cherilyn. Ah, oh, je m'excuse. Alors, Ramine qui dit c'est très facile, mais c'est normal, Ramine, c'est le début. Hein. Allez, deux chiffres. Eh bien, on y va. Attention, 26. Alors là aussi, hein, bon bah effectivement, ça n'est pas très très compliqué, 26, 2 et 6. Pour le moment, c'est quand même une formalité, nous sommes d'accord. Troisième, trois chiffres, 904. Alors, attention, j'ai vu une petite erreur, mais bon, globalement, c'est quand même très très bien. 904, hein, souvenez-vous, 9, 0, 4, 900, et finalement 4 à la fin. Ça n'était pas 14, hein, certaines personnes ont entendu 14. Non, c'est juste 904.
904. 904, eh bien voilà, pour le moment c'est formidable. Attention, 4 chiffres maintenant. Et comme d'habitude, je ne vais les lire qu'une seule fois. 2451. Et oui, Hillary est la première, Mélissa Madrid est juste après, Yossi est là, vous, là, Victoria Jacques, je dis bravo. Regardez, ouais, vous l'avez à l'écran, toujours un doute. Alors attention, 2000, donc ça logiquement c'est pas un problème, 2000, 400 et finalement 51, 2451. 2451. Voilà. On continue un petit peu. 5 chiffres. 5 chiffres, bien évidemment, ça devient un peu plus compliqué. Attention, je ne lis qu'une seule fois. 91 530. Alors, Luciana qui dit que son internet ne marche pas bien aujourd'hui, bah c'est pas grave. Ne vous inquiétez pas, parfois c'est vous, parfois c'est moi. Bon, c'est comme ça que ça se passe. Il n'y a pas de problème, faites le maximum. C'est ça qui est important. Alors, pour le moment, je dis bravo. Regardons ensemble. Donc, 91 000, d'accord. Et puis après, 530. 91 530 9 1 5 3 0. Allez, regardez, numéro 6. Numéro 6, 6 chiffres, bien évidemment 6 chiffres, et je ne vais les lire qu'une seule fois. 869 418. Allez-y. Alors attention, ça continue, Cheryline. Les déméthylases font partie de la raison pour laquelle, par exemple, les cellules du cœur sont différentes des cellules du cerveau, même si toutes vos cellules contiennent le même ADN. Ah ben là, j'ai compris, Cheryline. Alors là, Cheryline. Voilà, on découvre des choses et c'est ça toute la beauté d'avoir ce type d'interaction, c'est que vous êtes des professionnels dans votre domaine et vous partagez aussi. Ça, c'est très très chouette. Merci beaucoup, Cheryline. Alors, regardons ensemble ici. Donc, on est dans les 1000. Donc, première partie, 869 000. Ça, globalement, c'est clair. Donc, 869 et après le 1000. Et puis finalement, 418. 869 418. C'était ça que nous cherchions. Globalement, c'est assez bien. J'ai regardé ce que vous avez écrit. Et non, c'est bien. Alors attention, là, vous savez que, eh bien, voilà. C'est la crème de la crème. Voilà, les 7 chiffres. Les 7 chiffres, ça veut dire que, bien sûr, nous sommes dans le million, dans les millions, on va dire. Attention, une seule lecture. 4
691 274. Allez-y. Alors, regardons, je suis du regard hein, ce que vous écrivez, et c'est bien, c'est vraiment, vraiment bien. Attendez, Ruth, Ruth, je sais pas pourquoi ça a bloqué, Ruth, elle est perdue, Ruth, elle a dit stop, stop, non, 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 c'est trop difficile, pas de problème, Ruth, on en fait tout le temps, tout le temps, tout le temps, vous allez... être comme les autres après des machines de guerre. Alors, 4 millions, d'accord? Ensuite, 691. Donc ça, c'est la partie 1000, bien sûr. 691. Et après, 274. Donc, 4 millions, 691 000. 274. Et ouais, Ice Cube, elle a raison. Tout le monde écrit bien, bravo. Franchement, non, c'est bien. Si c'est encore difficile, c'est normal. On en fait tous les jours. Donc, c'est la seule technique. La seule technique, c'est de répéter, répéter, répéter. Et après, pouf, ça va aller. Comme tous les autres, bravo. Alors ça n'est pas raisonnable. Ça n'est pas raisonnable parce que vous n'avez pas cliqué. Cliquez s'il vous plaît. Vishan qui dit que vous aimez la musique. Oui, j'ai changé. Hein. En ce moment, c'est une période plutôt classique que nous allons commencer. Alors, la question, c'est pourquoi regarder? Regardez cette photo et la question, c'est mais pourquoi pleure-t-il? Denora Olson nous rejoint. Bonjour Denora, pourquoi pleure-t-il? Une phrase. Alors, Chaz veut nous insulter. Écoutez, pourquoi pas, mais en même temps, c'est un petit peu dommage. Alors, attendez, je vais être obligé de bloquer certaines personnes qui commencent à écrire des insultes. Et ça, c'est pas bien. Ça n'est pas bien. Je suis sûr que votre maman ne serait pas contente. Alors, Albouga qui commence et qui dit « Son cœur est brisé, évidemment ». Ben oui, mais c'est un robot. Est-ce que les robots... Enfin, un robot, je ne sais pas, on imagine en tout cas. Un personnage mystérieux. Ice Cube qui nous dit « Il a perdu son copain ». Peut-être « Son cœur est brisé », nous dit Detso. Cassandra qui dit « Quelqu'un prend mes jouets ». C'est possible. Vuslat, il pleure parce qu'il a perdu ses parents dans la rue. Oh, c'est terrible. Stardust, il pleure parce que son amour l'a quitté. Victoria, il pleure parce que nous n'avons pas encore
tous pu nous rencontrer en personne. C'est vrai que c'est quand même mystérieux. C'est mystérieux ces histoires. On se connaît bien, on s'est jamais rencontré. Luciana, parce que son cœur est cassé, c'est vrai. Yesero, il pleure. Car il vient de réaliser qu'il n'est pas une personne et qu'il n'a pas un vrai cœur. C'est vrai, ça fait penser au film de science-fiction, Yesero, où les robots réalisent qu'ils ne sont pas des robots. Yulia, il ne sait pas comment se connecter ses deux visages dans ses, à les deux parties dans ses mains. Renato, parce qu'il est triste à cause du Covid, bah oui. Felipe, je ne sais pas. Felipe, nous parlons français et demain anglais et français, Felipe. Sophia X, il pleure parce qu'il a perdu son bras. C'est possible. Mercurialman, il pleure parce qu'il n'a pas de partenaire. Oh, le pauvre. Yoram, parce qu'il est triste aujourd'hui. Paula qui dit, puisqu'il ne peut pas joindre ses bras, donc il ne peut pas coller son petit cœur. Oui, c'est ça. Hein, il reste comme ça, donc il ne peut pas coller le petit cœur. C'est pas possible de coller. Il reste comme ça, c'est terrible. Benter, parce qu'il n'a aucune partenaire pour la Saint-Valentin. Cosmina, il pleure parce qu'il a des mains collées aux gants de boxe. Ça ressemble à des gants de boxe, peut-être. Ekouvanich, il pleure parce que son ami l'a quitté. Yossi qui dit, il se sent seul, il se sent solitaire, plutôt seul, hein. Victoria Possé, il est triste parce que son cœur est comme un puzzle. Sundar qui nous dit, il pleure parce qu'il perd ses bras. Plouf, comme ça. Omar, parce qu'il est seul et sans Wi-Fi. Ah, je ne sais pas. Est-ce que les robots marchent au Wi-Fi, peut-être ? C'est possible. Denora qui nous dit, parce que personne ne m'aime. Roland, peut-être qu'il a fini avec son partenaire. Naem, il pleure parce que quelqu'un a changé ses mains. Ah, vous pensez que c'est ses mains ? C'est possible. Ashlam ou Aslam, il pleure parce qu'il ne comprend pas le français, le pauvre. Ensuite, alors, Freak nous dit bonjour monsieur, bonjour Freak. Ruth qui nous dit parce qu'il a regardé son compte bancaire. Ça peut faire peur parfois. Et Vishan qui dit il est programmé pour pleurer. Ça, c'est intéressant. Shahi qui dit il pleure parce que son cœur est cassé. Annabelle, il a besoin de sommeil. Il a besoin de dormir. Eh ben oui. Hillary, il est seul. Melissa qui nous dit il pleure car il a brisé le cœur de sa copine quand ils étaient en train de jouer. C'est un homme brutal, alors. Un homme brutal, Mélissa. Sophia X, il pleure parce qu'il n'est pas dans le film de Megabloc. Eh ben voilà, c'est peut-être ça la raison. Alors, idéalement, nous arrivons à 100 clics, hein, s'il vous plaît, soyez gentils. L'objectif, c'est d'avoir 100 likes pour ce cours. C'est le minimum, en tout cas, je pense. Alors, on avait commencé ça il y a quelque temps déjà, hein. Les émojis, j'ai toujours mon stock. On n'a pas tout fini. Le stock d'émojis n'est pas fini. Alors, bien sûr, souvenons-nous, nous ne parlons pas d'émotions, nous utilisons juste les émojis pour le vocabulaire, d'accord ? Donc c'est pas la peine de me donner des émotions, d'expliquer, non, je veux juste le vocabulaire, le mot qui correspond à l'émoji, d'accord ? Alors le premier, eh bien voilà, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Allez-y. Thank you.
Alors, c'est effectivement un calendrier. Un calendrier, donc je suis en train de regarder. Paula, qui est quelqu'un de très précis, qui dit calendrier grégorien. Oh, Fiona nous rejoint. Bonjour Fiona, on espère que vous allez bien. Bonjour, bonjour. On est en train de faire un exercice de vocabulaire. Vous voyez une petite image. Et puis, eh ben, il faut tout simplement dire ce que c'est. Ça va bien, ça va bien. Allez, est-ce que vous utilisez un calendrier? Pour chaque émoji, je vais vous poser une petite question. Est-ce que vous utilisez un calendrier? Oui, non, pourquoi? Allez-y. Alors, Vichan demande quelle est la différence entre un agenda et un calendrier. L'agenda, c'est en général quelque chose que vous allez prendre dans vos mains. Et le calendrier, c'est quelque chose que vous allez afficher, que vous mettez au mur. Hein. Souvent, c'est, on le met au mur ou peut-être sur le frigo. Vichan, ça, c'est plutôt un calendrier. D'accord ? Alors, Paula qui dit oui, mais aussi j'utilise un calendrier lunaire, pas uniquement le calendrier grégorien. Yessero utilise un calendrier électronique, d'accord. Albouga qui dit ben oui, j'utilise un calendrier chaque jour pour être organisé. Hima qui dit oui, j'utilise un calendrier mercurialman, oui. Pour le travail, ah bah oui, des professionnels. Nous avons des professionnels avec nous. Sundar qui dit non, plus de temps, j'utilise mon portable. Sophia qui nous dit, je change entre le calendrier en papier électronique. Shahi qui dit, oui, j'utilise un calendrier pour voir mon emploi du temps. Vouslat qui dit, oui, j'aime bien savoir quel jour on est. Ben ça, c'est bien. Yann Arte qui dit oui pour fixer des rendez-vous. Yacham RT, j'utilise le calendrier de Google. Très bien. Et puis Roman qui dit oui, parfois mon calendrier mobile. Alors Mélissa Madrid, oui, je me sers des calendriers pour noter des citations chaque jour ou presque. Ça, c'est pas mal comme concept. Hein. Et Kouvanich, oui, mais j'utilise pour synchroniser mes activités. Cosmina, oui, j'utilise un calendrier pour éviter d'oublier les tâches quotidienne. Enoch qui dit j'utilise un calendrier sur mon téléphone. Bah oui, ça c'est vrai que c'est pratique maintenant. Hein. Allez, numéro 2, qu'est-ce que c'est? Alors ça c'est une question un petit peu simple, je sais, mais en tout cas j'espère que vous allez bien l'écrire. Alors, oui, faites attention, Julia, c'est pas un stylo, mais c'est un crayon. Alors, première possibilité, un crayon, ou alors un crayon à papier, comme on dit. Eders, un pen, non, on dit vraiment un crayon, hein, Eders. Donc, un crayon ou un crayon à papier, d'accord. Donc, pour l'instant, c'est pas mal, c'est très bien. Olga, faites attention, c'est masculin, un crayon, hein. C'est masculin, c'est pas féminin. Question, est-ce que vous aimez dessiner et pourquoi? Puisqu'en général, on utilise le crayon pour dessiner, on peut faire d'autres choses, bien sûr, mais en tout cas, si on veut dessiner, souvent, c'est plus avec un crayon qu'avec un stylo. Est-ce que vous aimez dessiner et pourquoi? J'attends votre réponse.
Alors, Stella nous rejoint. Bonjour, Stella, participez. Il y a une petite question à chaque fois qu'on essaye de trouver un mot. Paula qui dit « J'aime bien dessiner avec ma main gauche, mais je ne suis pas gauchère. » Mais qu'est-ce que ça veut dire, Paula? Ah, donc ça veut dire que c'est un petit peu artistique quand même. Difficile à reconnaître. Un petit peu abstrait. Donc, c'est de l'art abstrait. Hicham qui dit oui, en fait, je suis marié avec une artiste. Oh! Yossi qui dit oui, j'ai utilisé beaucoup le crayon pour dessiner des flowcharts. Mélissa qui nous dit j'adore dessiner, ça me détend. Renato, aucune patience pour le dessin. Désolé, c'est pas grave. Yoram qui nous dit oui, j'aime bien utiliser les crayons. Fiona qui nous dit oui, cela aide à se détendre. Ma mère fait des mandalas pour passer le confinement. C'est la technique. Shahi, oui, j'aime dessiner. On a besoin de crayons pour dessiner. Bah oui. Sundar, j'utilise. Je n'utilise pas parce que je n'aime pas dessiner, d'accord. Julia qui dit oui, pendant les réunions, c'est très intéressant. Je dessine des lignes, des cercles et d'autres choses. Donc Julia, elle est plus dans les formes géométriques. Hein. Vous, Slat, non, je n'aime pas dessiner car je ne peux pas bien dessiner. Victoria qui dit j'adore les crayons et j'affûte des deux côtés. Oui, c'est le problème, Victoria. C'est comme ça. Tic, 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 tic. Et puis après, c'est difficile d'utiliser les crayons des deux côtés. Hein. Alors ensuite, Sonic, j'aimerais dessiner, mais je ne suis pas bon. Oui, moi non plus, mais c'est pas grave. Hima, j'aime beaucoup dessiner. J'aime dessiner, très bien. Yesero, quand j'étais enfant, je dessinais beaucoup, mais j'ai perdu le talent, malheureusement. C'est pas sûr, Yesero, faut essayer. Mercurialman, j'essaye, mais je ne suis pas très bon dans ce domaine. C'est pas grave. Luciana, je voudrais, mais je me suis trompé avec le stylo et le crayon. Benter, oui, c'est mon talent. Également, c'est thérapeutique pour moi des fois. C'est thérapeutique, Benter, c'est clair. Alors là, c'est clair, clair. Garage qui dit, j'aime dessiner les... Est-ce que c'est les bateaux, peut-être? Et Kuvanish qui dit, quand j'étais petit, j'aimais dessiner. Maintenant, je n'aime plus dessiner. Stardust, oui, j'aime dessiner. J'utilise dans différentes forces quand je dessine. Ah, les dessins, vous voulez dire, ou les crayons? Aslam, j'utilise pour... Ah d'accord, c'est pas clair. Stella, je ne sais pas dessiner, mais j'utilise des crayons régulièrement pendant que je lis des livres et étudie quelque chose comme ça. Je marque des choses importantes. Ah, donc vous soulignez, parce qu'il y a aussi les surligneurs, c'est pas pareil. Roman qui dit, en fait, quand je suis enfant, j'aimais dessiner ou peindre et je dessine encore parfois quand j'ai le temps. Cosmina. Quand j'étais plus jeune, j'ai aimé dessiner. Maintenant, je ne crois pas que j'ai plus de patience. Ah, oh, ça dépend. Bah, avec votre fils, quand il était petit, j'imagine que vous avez dessiné. Ça, c'est sympa, ça, quand on dessine avec les enfants. Olga, j'aime dessiner très bien, c'est fantastique. Merci beaucoup. Alors, vous êtes 111 personnes, donc c'est très intéressant, c'est 1, 1, 1, mais il n'y a que 97 likes. Si tout le monde clique, s'il vous plaît, cliquez, c'est très gentil, c'est votre façon de me dire « Vincent, c'est sympa, l'ambiance est bonne, nous apprenons des choses, cliquez s'il vous plaît et nous arriverons aux 100 likes et là, je serai un homme heureux ». Allez, dites-moi ce que c'est, ça doit être assez facile. Alors effectivement ici, donc on a deux possibilités, soit on dit que c'est un stylo et effectivement c'est un stylo, ou alors eh bien on considère que c'est un stylo plume, pour faire la différence avec le stylo bille, ici c'est un stylo plume.
plume. Très bien. Alors, regardez. Non, c'est toujours pas. On n'est pas arrivé au 100, hein. Une des fées qui dit non, on n'est pas arrivé au 100 encore. Donc là, c'est un stylo, effectivement, Luciana, maintenant c'est un stylo. Alors, eh bien, question romantique, pourquoi pas? Est-ce que vous écrivez des lettres d'amour avec un stylo? Ou alors avec le téléphone? Ou alors avec l'ordinateur? Comment est-ce que vous écrivez vos lettres d'amour? Alors, Hero King qui dit « Salut les amis, juste pour laisser un like. » Oh, c'est gentil. Éclatez-vous. Hero King peut pas participer. C'est dommage. C'est dommage. Vous allez nous manquer, Hero King. Hero King a toujours un sens de l'humour qui est très sympathique. Alors, Julia qui nous dit « J'ai utilisé ce type de stylo au début à l'école et on dit que c'est bien pour la calligraphie. » Oui, oui, alors vous avez, mais c'est différent, il y a différents types de plumes, mais moi j'avais ça, c'était formidable. Pour la calligraphie ou même pour écrire normalement, mais l'écriture est très 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 sympathique quand même. Ah, je dois dire que, attention, Enoch est là pour nous rappeler que... Ça y est, hop là, on a passé les 100 likes. Merci beaucoup, c'est très très gentil. Alors, je regarde. Renato qui nous dit qu'il envoie un email quand il écrit des lettres d'amour. Mercurial qui dit non, j'utilise WhatsApp. Eh bien voilà, c'est ça la modernité. Anita qui dit bonjour, on utilise un stylo plume quand on écrit des lettres. Ramif qui nous dit un stylo. Julia qui dit une lettre d'amour, je ne les écris pas pour éviter ce type de choix problématique. Ben voilà, ça évite de choisir. Olga qui dit avec un stylo plume et la calligraphie. Hillary qui dit je n'écris pas de lettres d'amour. Eh ben c'est plus simple. Yoram qui dit j'écris une lettre d'amour avec un stylo. Cosmina qui dit j'ai reçu des lettres d'amour mais je n'ai jamais écrit une telle lettre. Non monsieur. Alors Stardust, j'écris des lettres d'amour avec un stylo plume et j'en utilise une spéciale pour la calligraphie. C'est chouette la calligraphie, c'est vraiment vraiment sympathique à mon avis. Sundar, j'utilise mon Gmail pour écrire des lettres. Vouslat, non, je n'écris pas de lettres d'amour car je n'aime pas montrer mes émotions. Eh ben voilà. Mélissa qui dit j'écris toujours à la main, mais avec un stylo, eh bien normal. Yossi qui dit on n'utilise pas de lettres, on écrit sur WhatsApp. Aslam qui dit quand j'étais jeune, je l'ai fait. Fiona qui nous dit non, je n'écris pas de lettres à mon amour parce que je suis mariée avec lui maintenant. Mais on peut écrire, Fiona. Mais alors, Fiona, vous pouvez toujours écrire des lettres à votre amour, même si vous êtes mariée. Alors là, Anna, j'écris avec un stylo. Chérélite, des lettres d'amour, mais à qui? Sophia qui dit ça fait longtemps que j'utilise un stylo pour écrire une lettre. Ah, donc on n'utilise plus de stylo. C'est triste quand même. Benter, j'aimerais parce que je suis démodé. Mais les gens aujourd'hui n'aiment pas à cause des réseaux sociaux. Mais oui, Benter, mais ça n'est pas grave. Nous pouvons continuer à utiliser les stylos. Pourquoi pas? Et Kouvanisht, non, j'écris des lettres d'humour avec un crayon. Ah, je pense que c'est difficile d'écrire avec un stylo. Ça, c'est très très intéressant. Alors, on continue. Yoram, quel est le niveau de français ici, s'il vous plaît? Yoram, B1, B2. B1, B2, plutôt B2 que B1. Hima qui dit, non, je n'écris jamais de lettres d'amour, mais j'ai utilisé à écrire mes notes à l'école. Roman qui dit « Je n'ai jamais utilisé un stylo pour écrire à mon amour, mais j'utilise un stylo pendant que nous avons la leçon avec vous. » D'accord, très bien. Stella, l'amour est exprimé
de plein de façons. C'est toujours trop romantique quand on l'exprime avec des paroles. Cassandra, j'ai écrit des lettres quand j'étais au lycée, mais je ne fais plus ça maintenant. Non, monsieur, non, non, non. Allez, c'est numéro 4. Numéro 4, eh bien, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Allez-y. Alors, Julia qui dit oui, un B2 avec des passés simples partout. Non, on n'a pas de passé simple et on n'a pas de conjugaison. Ça fait quelque temps que j'ai fait une petite pause avec la conjugaison. Eh oui, mais on va revenir un jour à la conjugaison, on est obligé. Alors, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est une règle. Faites attention, ouais, accent grave, hein. Pas de problème, et aussi c'était féminin, accent grave. Donc une règle pour mesurer, comme nous dit Paula, la taille de quelque chose. Très bien, et bien sûr ma question c'est combien mesurez-vous ? Le savez-vous ? Voulez-vous le communiquer ? Souvenez-vous, en France, quand on donne sa taille, en général on va parler de mètres et de centimètres. Hein. Je mesure, personnellement je dois mesurer 1 m 68-69, donc c'est ma taille, 1 mètre, et après vous donnez juste les centimètres comme ça. Est-ce que vous savez combien vous mesurez ? Oh, c'est tellement gentil. Aslam Ikram qui dit, eh ben maintenant, j'ai trouvé un bon prof. Eh ben écoutez, Aslam Ikram, maintenant j'ai trouvé un bon étudiant. Il faut être constant et il faut vous motiver et vous allez y arriver. Alors, Julia, 1m68. Pareil, Paula, 1m55. Très bien. Alors les autres, est-ce que les autres pourront communiquer ces informations extrêmement confidentielles ? Alors vous, Slat, 1m69, hein, comme ça me permet de faire effectivement les nombres avec vous. Alors Sundar, 1m73, Mélissat, 1m53, Yesero, 1m85. Quel homme incroyable, Yesero. Il est grand. Cassandra, 1m63, Sonic, 1m75. Alors, si vous mettez les centimètres, hein, Sonic, mettez le S à sa centimètre parce que 75, c'est le pluriel. Ensuite, Fikek, 1m78. Très bien. Alors, oui, bon prof, c'est le prof de 1m68. Je comprends pas. Ange Gabriel, 1m85. Les anges sont très très grands alors. Moi je pensais que les anges étaient plus petits, mais alors les anges sont grands. Ekouvanich, 1m81. Victoria, 1m59. Ramine, d'accord, Ramine, vous êtes encore sur l'autre. Alors, Inda, Indefit TV, faites attention, on dit pas les centimètres, on dit les mètres et les centimètres en français. Hein. 1m50. Roman, 1m71. Alors je regarde, je continue. Anna qui dit 1m58. Benter, alors attendez, c'est quoi en mètres ? Ah Benter, je ne peux pas faire les conversions. Je suis désolé, je ne peux pas faire les conversions. Sophia, système métrique et impérial au Canada. Oui, mais je m'excuse. Les Français sont au système métrique. Je suis désolé. Yossi, 1m79. Olga, 1m60. Cheryline, alors Cheryline discute un petit peu de laboratoire. Annabelle, 1m67. Yoram, 1m80. Grande personne. Anna, 1m58. Bon, bah écoutez, merci. Merci beaucoup. Thank you.
Allez, dites-moi ce que c'est. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Il y a un petit piège, faites attention, hein. Paula, vive la révolution et le système métrique. Moi, je ne veux pas de problème. Je ne veux pas de problème. Je ne veux pas de problème. Tout va bien. Ben, c'est plus simple pour nous. Après, quand on parle de pouces, de pieds, etc., pour moi, c'est très, très compliqué. Les mètres et les centimètres sont assez... Mais bon. Tout ça, c'est culturel, il n'y a pas de problème. Alors faites attention ici, effectivement, c'est pluriel. On est d'accord que c'est pluriel, ça c'est la première chose qui est importante. Quand vous utilisez ciseaux, il y a juste un S, d'accord? Et puis vous mettez le X à la fin des ciseaux, que bien sûr vous ne prononcez pas. Des ciseaux, combien de paires de ciseaux avez-vous chez vous? Hein, ça c'est une question intéressante. Combien de paires de ciseaux est-ce que vous avez à la maison? Le savez-vous? Et voilà, Yessero est un homme qui est très précis parce qu'il sait qu'il en a une paire de ciseaux. Il a une paire de ciseaux, Cheryline. Là, c'est moins clair. Hein. Cheryline est très douée quand elle est dans le laboratoire, mais quand il est question des paires de ciseaux qu'elle a à la maison, ça n'est pas clair du tout, Cheryline. Aucune idée. Aslam qui nous dit une paire de ciseaux. Yann Arte qui nous dit ah d'accord, très bien. Sundar qui dit juste une paire. Mélissa à Madrid, 8 paires de ciseaux, eh ben, elle sait exactement ce qu'elle a dans son tiroir. Très bien, alors attendez. Vincent, still the size is monitor and TV, on donne les... Ah bah oui, oui Yossi, oui, on les donne en inches, mais Yossi, vous savez, c'est très très intéressant, vous parlez à des gens d'une certaine génération, ou même pour les Français... On sait ce que ça représente, pour une télévision 75 inches, on sait ce que ça représente, c'est grand, mais on n'a aucune, les Français n'ont aucune notion de la véritable taille. Et donc, en général, on doit le marquer en centimètres. Parce que cette notion en inches, aucune idée de ce que ça peut représenter. C'est comme les miles, etc. Hein. C'est-à-dire que c'est vraiment intéressant. Je regarde, vous Slat, je ne sais pas, j'en ai beaucoup. Mercurial, nous en avons 4 à 5 paires. Au moins, c'est clair. Victoria Possé qui dit j'ai 5 paires de ciseaux. Il y a des gens qui sont organisés et d'autres qui ne savent pas. Stella qui dit plein de paires pour couper les cheveux et pour couper d'autres choses. C'est pas très très clair. Moi, c'est pareil. Aucune idée. J'en ai beaucoup, mais aucune idée. Des petits, des grands, vraiment de toutes les tailles. Allez, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Prenez une petite minute, s'il vous plaît.
Alors attendez, je regarde parce que Yossi qui nous dit quelques-uns parce qu'il y a des ciseaux pour le papier, pour le matériel et pour les cheveux. Ben, c'est vrai qu'il y a différents types de ciseaux. Et c'est ça qui est intéressant. Cosmina qui nous dit j'ai plusieurs paires de ciseaux, deux ou trois pour le jardin, une paire pour la cuisine, une paire pour les paquets quand je les reçois par livraison, une ou deux paires petites dans la baignoire. Ça c'est pour les ongles. C'est pour les ongles en général, hein. Alors ici, on a plusieurs possibilités. On a plusieurs possibilités. Alors j'accepte corbeille. J'accepte corbeille à papier. J'accepte poubelle, éventuellement. Même si techniquement, c'est pas vraiment une poubelle parce que vous voyez qu'il y a... Il y a de l'air hein, qui passe, hein. Donc c'est une corbeille, mais c'est pas grave. On peut dire une poubelle si vous préférez. Je regarde les autres options que vous me proposez. Pour l'instant, c'est à peu près ça finalement, hein. Donc poubelle, corbeille, corbeille à papier, ce sont les trois choses que je vais accepter. Luciana qui dit à Cheryline, maintenant j'ai changé les mots raclette et claquette. Ah non Luciana, raclette et claquette, c'est pas la même chose. Alors très bien, on y va, est-ce que vous triez les déchets? Ça c'est une bonne question, ça dépend des pays. Il y a des pays dans lesquels on trie les déchets, des pays dans lesquels on ne trie pas les déchets. Quand vous allez faire la sélection entre les différents déchets, est-ce que dans votre pays on trie les déchets ou pas? Allez-y. Alors, il y a aussi un panier, oui, mais vraiment avec une grosse tolérance, hein, Yossi, parce que c'est pas vraiment le premier mot que j'aurais en tête. Le panier, si vous l'écrivez comme ça, je pense au basket. Je pense au basketball, et là, tac, 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 et ça, c'est un panier. Ou alors le panier, quand vous allez faire les courses au marché. Donc, faites attention. Normalement, on va plutôt utiliser corbeille ou poubelle. Hein. Oui, parce que, Cheryline, faire la raclette, c'est très simple. Hein. Vous prenez du fromage, vous le mettez, vous chauffez, et ça, c'est la raclette. C'est la raclette, et la raclette, c'est formidable. C'est un petit peu comme la fondue. Alors, Yoram qui nous dit, mais bien sûr, je trie les déchets. Vouslad qui nous dit, oui, je trie les déchets. Julia qui dit, oui, on les trie, mais pas comme en Allemagne. Ah bah oui, c'est toujours un petit peu... Il y a des différences, il y a des différences entre les pays, hein. Alors, Ima qui dit « Oui, je trie les déchets ». Hilary qui dit « Oui, nous les trions ». Très bien, une très bonne conjugaison du verbe « trier ». Luciana qui dit « Oui, j'ai suggéré à la réunion de mon bâtiment de trier les déchets il y a déjà longtemps ». Alors, Cosmina qui nous dit « Oui, je fais le triage des déchets, papier, carton, plastique, les choses électroniques, les déchets ménagers, effectivement. » Stardust qui dit « Dans tous les cas, même si seulement 20% sont recyclés et le reste est expédié à l'étranger. » Cheryline qui dit « Oui, nous séparons les articles recyclables et les articles généraux. » Cathy qui nous dit « Oui, j'essaye, mais c'est un peu triste que dans mon pays, il n'y a pas vraiment un système pour trier les déchets. » C'est une question de temps, Cathy, ça va arriver, ça va arriver. Et Kouvanich qui dit « Oui, nous les trions. » Ensuite, Ficar qui nous dit « Oui, nous trions les déchets. » Sophia X qui nous dit « Oui, nous trions les déchets comme recyclables et non recyclables. » Merci beaucoup.
Allez, numéro 7, on continue. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que cette chose que vous utilisez probablement tous les jours? Dites-moi ce que c'est. Alors, oui, regardez, ici, bon, en fait, on l'écrit clé avec un accent aigu, l'orthographe précédente que moi j'utilise encore naturellement, c'est avec un F. Donc, une clé ou une clé, on prononce de la même façon, mais vous pouvez l'écrire avec l'accent aigu ou avec le F. Hein, Julia, oh les clés qui ont perdu tous les jours. Avez-vous déjà perdu vos clés? Est-ce que vous avez déjà perdu vos clés? Dites-moi oui ou non, juste comme ça, par curiosité. Alors, très bien, on y va. Ficaré qui nous dit oui. Enoch, oui. Denora, évidemment. Ah, ben ça dépend. Hein. Ça dépend. Macastro qui dit infiniment, ça veut dire beaucoup. Steph Waters, oui. Luciana qui nous dit oui. Cheryline, non, jamais. C'est pas possible, Cheryline, c'est vrai, jamais. Waouh, incroyable, Cheryline. Hilary, oui, toujours. Julia, oui, la dernière fois, c'était terrible. Ah, c'est toujours terrible quand on perd les clés. Ah, je me souviens d'une situation terrible. J'ai vu les clés partir dans l'égout. Ah, ça, c'était horrible. Horrible. Cathy qui dit, oui, j'ai déjà perdu au moins 4 fois. Stardust, non, je ne perdrai pas mes clés. Ça, c'est vous vous répétez, ça. Non, 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 je ne vais jamais perdre mes clés. Ben, ça arrive peut-être, mais il faut espérer que non. Benter, jamais, j'espère que ça va rester comme ça. Félicitations. Anna qui dit, ben oui. Mélissa Madrid qui dit, je perds mes clés très souvent, mais je les trouve dans les vêtements à laver. Un grand classique. Un grand classique. Ice Cubes, non, mais je l'ai contrôlé après avoir vu la réponse de Julia. Bah ouais. Sophia qui dit, j'ai perdu mes clés et je continue à les perdre. C'est une question de principe. Moi aussi. Yesero, oui, il y avait une fois où j'ai perdu mes clés, j'étais obligé de fouiller tous les coins chez moi. Ça, c'est horrible. Un stress terrible. Un véritable stress, ça. Vouslad qui dit oui. Kangli qui dit non, la clé me perd. Ça, c'est très intelligent comme concept. Oui, c'est pas moi qui ai perdu la clé. C'est la clé qui m'a perdu. Et ça, c'est vrai. Roman qui dit oui plusieurs fois. Cosmina qui dit non, je n'ai jamais perdu les clés, mais j'ai détruit des clés pendant la pandémie parce que j'en ai trop désinfecté. Non. Mais comment on peut détruire les clés avec la... Oh, c'est incroyable. Yossi, j'ai perdu mes clés de voiture, je les ai cherchées dans toute la maison et puis je les ai trouvées sur le plancher. C'est un petit peu comme les lunettes. Hein. Où sont mes lunettes? Et finalement, elles sont là. Olga, oui, je dois faire attention. Victoria, je n'ai jamais perdu la clé. J'ai oublié à l'intérieur de la maison beaucoup de fois. Ça, c'est horrible aussi, oui. Ça m'est arrivé. Clac, on ferme et après on se dit tiens, il y a un petit problème. Et Kuvanish qui dit une fois et c'était perturbant. Très bien, Cheryline qui dit comment avez-vous perdu vos clés?
Moi, une fois, c'était terrible. Je les ai perdus parce que je les avais dans ma main et elles sont tombées dans l'égout. Dans l'égout, j'ai été obligé d'appeler les pompiers, etc. Oh, c'était terrible. Ensuite, Victoria Jacques, malheureusement, oui, par un voleur. Ça, c'est pas pareil. Ça, c'est pas perdre, mais c'est se faire voler. J'espère que c'était juste un pickpocket qui, pouf, a pris ça de façon très très gentille. Alors, je sais que ça va faire plaisir à certaines personnes dans le groupe. Qu'est-ce que c'est? Alors, Émilie Foster nous rejoint. Bonjour, bonjour, Émilie. J'espère que vous allez bien. Regardez, Julia qui dit du jus de tomate. Stardust qui dit je ne sais pas ce que c'est. Eh bien, regardez, c'est une goutte de sang. C'est une goutte de sang. Julia, est-ce que vous avez déjà cherché vos lunettes quand elles étaient sur vous? Non, pas encore. Pas encore, c'est trop récent pour moi. Alors effectivement, c'est une goutte de sang et la question c'est est-ce que vous aimez faire des dons de sang? Aimez-vous faire des dons de sang, oui ou non? Alors, Vouslat qui dit, ben non. Olga Ruiz qui dit, je ne sais pas. Très bien. Sujet qui nous dit oui. Hillary qui dit oui. Julia qui dit, goûte comme goûte le fromage. Non, 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 non. Goûte avec deux T. Avec deux T, c'est ça la différence. Le verbe goûter, c'est avec un T. Ici, une goutte, c'est deux T. Anna qui dit, oui, j'aimerais faire un don de sang. Cathy qui dit, j'aimerais faire un don de sang. Oui, mais à cette date, je n'ai pas eu l'occasion. Ficaré qui nous dit oui, Cassandra qui dit non, Fiona qui dit oui. Alors je ne sais pas si les autres sont trop timides pour en parler, c'est un peu personnel. Allez, continuons avec le numéro 9. Qu'est-ce que c'est? On va rester dans le style. Qu'est-ce que c'est? Alors, nous voyons les spécialistes qui commencent à arriver directement. Julia qui dit une piqûre, mais la piqûre, c'est vraiment l'acte plutôt. Ici, c'est ce qu'on appelle une seringue. Un Cosmina qui connaît bien ça. Chérine aussi. Ça a l'air d'être très très clair. Alors, Cathy va avec un vaccin. Oui. Injecteur, vous slate. On va utiliser plutôt une seringue. Hein, la seringue, ça va être la façon la plus simple de définir cet objet. Une seringue, c'est féminin, avec la question, avez-vous peur? Clic, clic, des seringues. Est-ce que vous avez peur des seringues? Thank you.
Alors, je vois que Vouslat commence directement en disant « Oui, j'ai peur des seringues ». Ficaré nous dit « Oui aussi, Yoram, oui, Hillary, non, mais je les déteste ». Stardust qui dit « Non, je n'ai pas peur des seringues, elles peuvent venir ». Cosmina qui dit « Non, je n'ai aucune peur des seringues ». Sujet qui dit « Oui, j'ai peur des seringues ». Omar qui dit « Donner du sang ». Ah, vous êtes toujours sur le don de sang. Luciana qui dit que c'est une seringue, d'accord. Julia qui dit « J'ai peur, une peur terrible et insupportable, surtout pour les docteurs ». Ah, c'est pas pour la seringue, c'est pour la personne qui vient avec. Fiona, oui, je regarde de l'autre côté quand c'est mon tour. Victoria Jacques, oui, j'en ai peur. Yossi qui dit j'avais peur quand j'étais petit, maintenant pas de problème. Yessero qui dit non, parce que je suis obligé d'avoir une piqûre tous les 3 mois. Ah ben oui, après on n'a pas peur. Sophia X, j'ai peur des seringues pour tirer du sang. Normal. Anna qui dit oui, beaucoup. Luciana Moribé qui dit non. Olga qui dit oui, mais pas les vaccins. Je n'aime pas les vaccins, c'est peut-être ça. Et Quivanish qui dit oui, j'en ai horreur. Allez, si on finit avec quelque chose de complètement, complètement différent, vous aurez remarqué quand même l'éclectisme du choix des emojis. Qu'est-ce que c'est ? Alors voilà, ça commence à arriver. Oui, hein, c'est quelque chose qui n'a pas encore totalement disparu, mais qui n'est plus très très à la mode peut-être. C'est un journal, effectivement, donc c'est masculin et c'est journal. Attention, c'est pas féminin, c'est vraiment masculin. Un ou le journal. Et ma question, c'est est-ce que vous lisez le journal, c'est-à-dire le vrai journal encore, et pourquoi ? Il y a tellement de possibilités maintenant, ça peut être sur le téléphone, ça peut être effectivement, il y a des applications, il y a des sites internet, ça peut être aussi en audio, il y a la télé, il y a la radio. Est-ce que vous lisez encore le journal et pourquoi ? Allez-y. Alors, Yoram, qui doit y aller ? Merci beaucoup pour la leçon. C'était un plaisir, Yoram. Souvenez-vous, c'est tous les jours, de lundi à samedi, à la même heure. Demain, ce sera anglais et français, mais après, ce sera en français. Au revoir. Alors la question, est-ce que vous lisez encore le journal, oui ou non ? Parce que ma génération, eh bien oui, on lisait le journal, c'était normal, mais après tout a changé. Alors attendez, Cathy qui dit « À cause de la pandémie, je ne lis plus le journal physique, mais plutôt en ligne ». Mélissa qui dit « Je lis encore le journal, j'aime la texture du papier des journaux ». C'est formidable, c'est formidable. Le journal dans un petit café, vous allez au café, vous lisez votre journal, oh, c'est incroyable, c'est les petits plaisirs de la vie. Ice Cubes, non, je n'en ai plus besoin à cause de l'Internet. Bah, c'est plus rapide, c'est vrai. Yesero, non, je ne lis plus le journal. Cheryline qui dit non, ils deviennent définitivement obsolètes ici. Fiona qui dit oui, parce que ça nous fait imaginer des choses. Yossi qui dit non, je ne les lis pas. Kang qui nous dit non, parce que je le lis sur Internet. Stardust qui dit « Oui, j'aime les journaux, j'aime aussi les livres. On est des dinosaures, on est des dinosaures, mais moi aussi, j'aime avoir quelque chose en main quand je lis. Ce n'est pas si impersonnel. » Yoram qui nous dit au revoir Yoram. Et Quivanish qui dit « Oui, je lis périodiquement, mais pas pour les nouvelles,
pour quelque chose de culturel. Ça, c'est intéressant. Mercurial qui dit oui, j'ai lu les affaires étrangères, donc les actualités étrangères, c'est ça. Mine Moustache qui dit non, je n'aime pas l'odeur des journaux. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai que c'est intéressant. Les journaux ont une odeur spéciale. Peut-être qu'on n'aime pas, c'est possible. Luciana, maintenant non, parce que maintenant les médias ne diffusent pas la vérité impartiale. Cosmina qui dit non, je ne lis pas le journal au format papier. Il y a beaucoup d'informations en ligne et je n'ai pas le temps de lire toutes les nouvelles. Bah, ça, c'est clair. C'est clair qu'on n'a jamais le temps de tout faire. Hein. Sophia, je lis le journal. Chaque au lieu de la télé, parce que je peux choisir les articles qui m'intéressent. Omar, je lis les journaux digitaux en français pour pratiquer. Olga, oui, il y a... Alors, c'est bon pour nettoyer la fenêtre. Grand classique, Olga. Moi aussi, j'utilise le journal. C'est formidable. Pour nettoyer les fenêtres, c'est incroyable. Yann Arte, oui, pour connaître les actualités. Victoria Jacques, je lis sur Internet. Benter qui nous dit, oui, je l'aime à cause des connaissances générales. Victoria Possé qui dit, maintenant, je ne lis pas le journal parce que je lis les nouvelles sur Internet. Effectivement. Alors, si vous n'avez pas encore cliqué, cliquez sur le petit bouton like et vous venez d'arriver, ce serait très gentil, merci beaucoup. Alors, on ne l'a pas encore fait, hein, effectivement, le mot du jour. Allez, s'il vous plaît, un seul mot pour résumer votre journée. Comment est votre journée? Comment ça se passe? Décrivez-moi ça avec un seul mot. Alors, Stardust attaque en disant « calme ». Yulia qui dit « est-ce que c'est mortel ?» Oh, mais qu'est-ce qui se passe, Yulia? Il faut expliquer. Qu'est-ce qui se passe? Annabelle qui nous dit « se détendre ». Eh bien, ça, c'est bien et c'est important. Cathy qui dit « ensoleillé ». Ça, c'est formidable. Vous avez de la chance. Mélissa Madrid qui nous dit « ravissante ». Waouh. Ekovanish qui nous dit « fascinant ». Pas mal. Vouslat qui nous dit « tranquille. Cosmina qui nous dit un non chalir. Très bien. Yesero qui nous dit patiemment. Macastro qui nous dit fatigant. Kang qui nous dit super dur. Qu'est-ce qui se passe, Kang? Qu'est-ce qui se passe dans votre vie? Pourquoi c'est dur? Victoria Possé qui nous dit régulier. Mercurialman, difficile. Benter qui nous dit sérénité. Ho ho! Comme ça, alors, vous êtes la sérénité. J'aimerais bien savoir ce que c'est, mais bon. Sophia X qui nous dit souhaiter. Anna qui nous dit stressant. Beaucoup de devoirs et de projets, c'est normal. C'est normal, les devoirs, les projets, donc vous êtes probablement à l'université. Il faut relativiser. Ficaré qui nous dit calme. Cassandra somnolente. Hima qui nous dit occupé. Victoria Jacques, nourriture! Ça, c'est fondamental. Le sommeil et la nourriture, eh ben, c'est important quand même dans la vie. Yossi, ensoleillé. Fiona Adams, la lessive. Moi aussi. Il faut que je fasse la lessive aujourd'hui. J'ai complètement oublié. Cheryline Anova, intéressant. Je ne sais pas ce que voulait dire Cheryline. Qu'est-ce que vous voulez dire avec Anova? C'est pas clair. Omar qui nous dit eau, sans eau.
Qu'est-ce qui se passe, Omar? Il a perdu l'eau. Luciana, mauvais. Oh, Internet, d'accord. Maria, apprentissage. Garage Dancer, formidable. Alors là, je dis bravo, Garage Dancer, formidable. Ça, c'est bien. Olga, étonnement. Mille moustaches, je mets les journaux sous le plat de mon petit déjeuner, ok. Yann Arte, soleil. Roman, le même que les jours, que les autres jours, d'accord. Ice Cubes, calme, très bien. Mille moustaches, donc c'était normal. Et Sophia X qui nous dit faim. Sophia X, elle commence à avoir faim. Allez, une petite dictée, comme vous le savez, niveau intermédiaire, niveau avancé, et maintenant c'est avancé, bien sûr, on fait des dictées, mais c'est à partir de citations. Aujourd'hui, comme le jour, en ce qui me concerne, n'était pas olé olé, j'ai choisi un thème qui était d'actualité pour moi, la tristesse. Allez, on y va, je vais vous lire les phrases deux fois et vous les écrivez. Attention, attention. La tristesse vient de la solitude du cœur. La tristesse vient de la solitude du cœur. Allez-y. Alors, regardons ensemble ici, c'est pas très très compliqué. Le mot tristesse en général, on sait bien l'écrire. N'oubliez pas les deux S dans tristesse. Et puis le verbe venir doit être conjugué au présent à la troisième personne du singulier, V-I-E-N-T. Et puis après, c'est de la solitude, vous l'écrivez bien, du cœur. Là, il n'y a pas de problème. Je dis bravo. Deuxième citation concernant, eh bien, la tristesse. Attention, attention. Même si tu souris toujours, virgule, je peux voir la tristesse dans tes yeux. Même si tu souris toujours, virgule, je peux voir la tristesse dans tes yeux. Écrivez la phrase, s'il vous plaît. Alors, regardons, ça commence à arriver. Ici, en fait, le verbe, eh bien, le verbe, c'est sourire. Le verbe sourire, troisième groupe, présent. Ici, c'est deuxième personne du singulier, tu, souris, S-O-U-R-I-S. Même si tu souris toujours, après ça, vous avez le verbe pouvoir, première personne du singulier au présent, je peux. P-E-U-X. Je peux voir, infinitif, logique, deuxième verbe, la tristesse dans tes yeux. Yeux, souvenez-vous, Y-E-U-X. Je regarde. Non, c'est bien écrit, hein. Félicitations. Pas de problème. Regardez, troisième citation et on y va directement. Le bonheur parfait est quelque chose de très proche de la tristesse. Le bonheur parfait
est quelque chose de très proche de la tristesse. Écrivez la phrase. Yossi, quand je ne mets pas les sources, c'est que je n'ai pas les sources. Si j'ai les sources, je le mets en général. Alors, regardons ici la phrase. Donc, le bonheur parfait doit être au masculin, puisque bonheur est masculin. Donc, vous ne mettez pas de E à la fin, mais globalement, c'était bien écrit. Et quelque chose, souvenez-vous, hein, c'est vraiment deux mots distincts. C'est pas un seul mot, donc quelque chose de très proche. Alors, souvenez-vous, hein, proche, hein, c'est vraiment... ici l'adjectif c'est proche, l'adverbe c'est près, on le connaît bien celui-là, mais proche c'est l'adjectif de la tristesse. Bon, elle n'est pas très difficile, mais en tout cas c'est intéressant. Le bonheur parfait est quelque chose de très proche de la tristesse. Allez, quatrième citation, on y va. Promesse rime avec tristesse quand c'est dit sans être réfléchi. Promesse rime avec tristesse quand c'est dit sans être réfléchi. Réfléchis. Écrivez la phrase. Alors, regardons ensemble. Promesse, rime. Rime ici, c'est le verbe rimer. Le verbe rimer, eh bien, on l'écrit R-I-M-E-R. Donc ici, nous allons le conjuguer à la troisième personne du singulier. Rime, R-I-M-E. Avec tristesse, bon, ça c'est pas un problème. Quand c'est dit... C'est, vous devez l'écrire C'est, dit D-I-T, sans être réfléchi, ici réfléchi, vous finissez avec un I, d'accord? Je regarde. Donc globalement, c'est bien écrit, Victoria Possé, promesse rime avec tristesse, quand c'est dit, sans être réfléchi, quand vous dites quelque chose sans réfléchir à cette chose. Allez, ce sera la cinquième phrase et bien sûr la dernière pour l'exercice de la dictée. Attention. Joie ou tristesse, virgule. Les larmes sont des sentiments que le cœur ne parvient pas à traduire en mots. Joie ou tristesse, virgule. Les larmes sont
des sentiments que le cœur ne parvient pas à traduire en mots. Écrivez, s'il vous plaît. Alors, regardons ensemble la phrase. Elle était un petit peu plus longue que les autres, mais bon, c'est normal aussi, hein, nous sommes à un niveau avancé. Joie ou tristesse, ça, globalement, c'était bien écrit. Virgule. Les larmes, donc ici on est au pluriel, sont, verbe être au pluriel, S-O-N-T, des sentiments, au pluriel avec le S à la fin de sentiments. Que le cœur ne parvient, alors ça c'est le verbe parvenir. Souvenez-vous, le verbe parvenir, c'est comme le verbe venir. Je parviens, tu parviens, il, elle parvient. P-A-R-V-I-E-N-T. D'accord ? Donc ne parvient, bien sûr, pas, deuxième partie de la négation, à traduire infinitif en mots. Le mot ici, c'est M-O-T-S. Joie ou tristesse, les larmes sont des sentiments que le cœur ne parvient pas à traduire en mots. Elle n'était pas facile, celle-là. La dernière citation n'était pas facile, mais je dois dire bravo à tous et à toutes. Allez, je dois vous quitter, voilà. Un grand, grand merci, c'était vraiment, vraiment sympathique. Je pensais que peut-être pour nous quitter, je pourrais, eh bien, encore une fois, vous proposer une interview que j'avais faite d'un prof de français. Et si ça vous intéresse, eh bien, regardez. Si vous ne voulez pas, c'est pas grave. En tout cas, rendez-vous demain ou après-demain ou après-après-demain pour notre anniversaire qui sera vraiment sympathique en tout cas. Merci beaucoup encore une fois. Je vous dis eh bien, au revoir et à bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Alors, est-ce que vous pourriez nous expliquer justement pour quelles raisons vous avez décidé d'enseigner le français? Alors, ce n'était pas mon décision comme ça, mais quand je... Donc, est-ce que vous pourriez nous expliquer finalement ce que représente pour vous la France et la langue française? Ce que représente la France, c'est une grande question, mais maintenant que j'habite aux États-Unis, ça n'a plus du tout la même importance que quand j'étais en France. Maintenant que je suis aux États-Unis, la France, c'est... Même si je suis là depuis longtemps, en fait, c'est un peu quand même mon chez-moi. Mmh. Et la culture française, c'est la culture avec laquelle j'ai grandi, donc c'est une culture qui m'est chère, qui me représente en fait en quelque sorte moi et ma vie et les décisions que je fais dans ma vie, mes choix, mes goûts aussi parfois,
quand je discute avec d'autres gens où on discute de choses assez banales, où en fait je me rends compte que ben, mon passé de culture française a toujours un grand impact. C'est-à-dire que vous avez le sentiment d'être entre les deux, ou vous avez quand même le sentiment d'avoir basculé, mais d'avoir certaines petites choses qui reviennent de temps en temps? Plus je passe du temps aux États-Unis, plus j'ai l'impression d'avoir basculé. Mais ouais, je garderai toujours la culture française. Ça, c'est indéniable sur la nourriture. Il y a tellement de choses sur lesquelles je pense que ça ne changera pas. Si on parle de fromage, voilà, c'est là. Et même, je ne sais pas, si je joue un jeu de Pictionary ou quelque chose comme ça avec des Américains, je me rends bien compte que je n'ai pas du tout la culture américaine. Je ne peux pas jouer à des jeux très, très simples parce que je n'ai pas les connaissances musicales, des films, des choses comme ça, qui seront toujours sur la culture française, en fait. Comment vous avez décidé ou comment vous êtes devenu prof de français? J'étais avocate en France. Donc c'est pas du tout le choix qu'on imagine. Mais C'est lié à la langue quand même, tout ça. Oui, c'est lié à la langue, mais honnêtement, c'est aussi lié parce que j'adore ça, en fait. Parce que je suis totalement bilingue, anglais-français, j'ai la double nationalité, donc c'était pas une difficulté, j'étais pas obligée de devenir prof de français, c'était pas une obligation. Et quand je suis venue vivre aux États-Unis, c'était pas mon choix. Je suis pas venue vivre ici en me disant je vais être prof de français, mais j'ai commencé à être remplaçante en fait dans différentes écoles parce que c'était facile et pas du tout en français, hein, vraiment dans tous les niveaux. Et j'ai commencé à bien aimer. Et forcément, on m'a dit, soit remplace les autres profs de français. Donc, j'ai vu un peu ce que c'était, le contact avec les élèves et de pouvoir justement leur enseigner justement cette culture qui m'est chère et que je connais et que j'apprécie. C'est vrai qu'au final, quelque chose qui n'était pas une évidence est devenu en fait une évidence par la suite où je me suis dit, mais oui, bien sûr, il faut que je le fasse et j'adore ça. C'est vrai que maintenant, vous ne vous voyez pas faire autre chose, ou est-ce que ce serait possible, je veux dire, ou est-ce que c'est vraiment quelque chose que vous adorez, que vous appréciez? Pour l'instant, en tout cas, je ne me vois pas faire autre chose. Y a tellement de choses qu'on peut faire en étant prof. Là, cette année, j'ai commencé à écrire des bouquins parce que je n'en avais pas assez pour mes élèves, mais c'est parce que je suis prof que je le fais. Je n'ai pas commencé à écrire parce que je voulais écrire, mais parce que je n'avais pas assez de livres pour mes élèves. Donc, je trouve qu'il y a tellement de compléments à ma situation, en tout cas pour l'instant. Je sais qu'on m'a posé la question il n'y a pas très longtemps, où est-ce que je me voyais dans 5 ans, et ma réponse, c'était je suis toujours là. C'est toujours ça. En mieux, j'espère, mais je fais toujours ça. Bah, c'est signe de stabilité. C'est une bonne chose. Alors... vous enseignez actuellement dans quelle structure ou dans quel cadre? Alors, actuellement, circonstance normale, je suis en lycée public, dans un lycée d'environ 2500 habitants, dans la banlieue de Washington, de la capitale, en fait, Washington. Est-ce que en général, les élèves que vous avez ont... C'est des lycées, hein, donc ils ont entre quel âge et quel âge? Quel âge ils ont au lycée? 13-14 jusqu'à 18, parfois 19. D'accord. Est-ce que c'est une langue assez populaire? Enfin, est-ce que les lycéens la choisissent assez facilement ou... Alors, c'est sûr que, surtout dans notre région, l'espagnol, c'est le premier choix. Mais en fait, on n'a pas de difficulté de nombre d'élèves dans mon lycée, en tout cas. On est deux profs de français plus une autre prof qui fait des cours de français, en fait, quand on a des sections qui se rajoutent. Donc, même si on n'est pas le premier choix, on n'est pas aussi nombreux que l'espagnol. Mais c'est quelque chose qui se développe relativement facilement, je trouve. C'est peut-être parce que la région est assez multilingue et que du coup, j'ai pas mal d'élèves qui parlent déjà espagnol, qui parlent déjà une deuxième, même une troisième langue. S'orientent vers le français. Voilà, pas mal d'élèves qui parlent déjà espagnol et qui du coup
au lieu de choisir la facilité de faire l'espagnol, choisissent de faire du français. Parfois, j'ai l'impression que c'est des élèves qui veulent être dans une meilleure classe, un peu comme quand j'étais jeune et qu'on nous disait de faire allemand première langue pour être dans la classe des intellos. C'est ça aussi le français, c'est ce qui n'est pas forcément vrai, mais parfois j'ai l'impression que c'est un choix des parents de dire « Oh, mais fais français, tu auras des meilleurs élèves dans ta classe, ce sera une classe plus structurée, ça fait mieux, entre guillemets, sur le CV, ouais. De faire français que de faire espagnol. » Ok, donc vous avez anticipé la question suivante parce que je voulais vous demander justement ce qui pouvait les motiver. J'imagine que dans ces cas-là, c'est peut-être les parents qui choisissent, ou est-ce que vous avez le sentiment qu'il y a les enfants qui sont quand même responsables de cette décision-là ou... Ça dépend le niveau en fait. Français niveau 2, généralement, c'est beaucoup les parents. Alors, pas forcément... Parfois, c'est les enfants qui voient les parents qui ont fait français ou qui ont été en France et qui se disent qui ont envie de plaire en fait, hein, à leurs parents, qui ont envie de faire un peu la même chose. Mais dans les niveaux, jusqu'au niveau 3, dans mon lycée, en fait, il faut avoir trois années de langue pour avoir ce qu'on appelle un advanced diploma. Mm-hmm. Après le niveau 3, quand ils le font, c'est vraiment parce qu'ils sont motivés, hein, ou parce qu'ils se disent que au niveau de la fac, ça fait super bien d'avoir fait plus que ce qui était nécessaire. Mmh. Finalement, ils se rendent compte, après le niveau 2, niveau 3, ils se disent « Ah, finalement, c'est pas si difficile que ça, c'est assez intéressant. » Et c'est souvent dans ces classes-là qu'on fait plus de culture, plus d'histoire francophone. Et là, ils sont beaucoup plus intéressés. Là, ils adorent vraiment découvrir le monde francophone. Et là, en général, ce sont des cours qui sont finalement facultatifs pour eux. C'est-à-dire qu'ils ont passé les cours qui étaient obligatoires, c'est ça? Exactement. C'est des cours qui sont facultatifs, qui leur donnent un petit plus au niveau du GPA, de leur moyenne de lycée, qui sont un peu plus difficiles, honnêtement, parce que ce n'est pas des cours où il faut apprendre par cœur. C'est vraiment des cours où il faut faire attention, il faut suivre, il faut s'intéresser. Mais c'est des cours où, là, ils ont envie d'apprendre, ils ont envie de voir ce que c'est... Surtout quand on fait des projets qui ne sont pas centrés sur la France, mais sur le monde francophone, sur la musique, comme ça, où ils sont vraiment très intéressés par ça. Les clichés, les gros clichés que vous avez en général et que vous cassez par la suite, mais c'est quoi les gros clichés? Alors souvent, début d'année, j'arrive, je mets une écharpe, un t-shirt rayé, un petit béret, si je peux, j'amène la baguette. Et ils rigolent, mais honnêtement, il y en a certains, ils ne voient pas que je suis déguisée, entre guillemets. Pour certains, c'est normal, c'est la prof de français, voilà, elle est arrivée en prof de français, quoi. Donc ça, c'est assez drôle. On fait beaucoup de comparaisons, de clichés entre la France et les États-Unis, mais c'est des clichés assez basiques, en fait. On mange que du fromage, on mange des escargots, tout le temps, ils pensent que tout le temps, tout le monde mange des escargots à tous les repas, c'est vraiment, c'est leur truc, quoi. Qu'on ne sent pas forcément très bon. Mais non, ce qui est intéressant, c'est parce que ça fait combien de temps que vous enseignez ? J'ai fini ma septième année. Ouais. Vous avez le sentiment qu'il y a une évolution au niveau des clichés ou pas? Parce que ça, on pourrait se dire que finalement, ça bouge, ces choses-là, mais apparemment, c'est toujours les mêmes choses qu'on entend, non? Ouais, j'ai l'impression que c'est toujours les mêmes choses. C'est assez drôle, en fait, parce que pour moi, c'est des clichés. Des fois, je ne me rends pas compte, en fait, encore une fois, puisque j'ai grandi dans cette culture, quand on me dit des choses, je dis quoi? Non, ça n'a rien à voir. Je mange très rarement des escargots. J'en ai pas mangé avant, quand j'étais jeune, je mangeais jamais d'escargots, ça me venait pas à l'idée. Et c'est des clichés qui changent pas trop en fait. Alors, est-ce que vous avez le sentiment que le français, déjà, est-ce que c'est une langue difficile à enseigner, et pour vos élèves, est-ce que c'est une langue difficile à apprendre? Ah, je pense que ça, c'est peut-être un cliché, justement, que le français, c'est une langue difficile à apprendre. Et qu'en fait, alors, ça dépend de leur langue de base, en fait. Mais quand c'est des élèves qui parlent déjà une langue autre que l'anglais, généralement, ils ne trouvent pas ça très difficile. Parce qu'ils ont déjà une connaissance de ce que c'est qu'une langue, et du fonctionnement d'une langue. Et moi, j'ai beaucoup d'élèves comme ça. Donc, c'est vrai que ça, c'est une facilité pour moi.
où j'ai pas besoin forcément de leur expliquer qu'une phrase, ça se construit comme ça, parce que en fait, finalement, je me rends compte qu'ils font pas beaucoup de cours d'anglais, de construction de l'anglais, en fait. Donc, la notion de ce que c'est qu'une langue. Au début, je trouvais ça difficile à enseigner. Maintenant, je me focalise plus sur la grammaire. J'enseigne très peu la grammaire. Et en fait, je me rends compte que c'est beaucoup plus facile comme ça. Et qu'ils apprennent finalement, ils apprennent par la lecture, par l'écoute de la langue où ils arrivent à construire tout seuls. Et aussi, j'ai un fils qui a 4 ans et demi. Donc, j'essaie de lui apprendre le français. Et je ne fais pas des cours de grammaire. Je ne fais pas, réviser la grammaire. Je ne fais pas mémoriser des choses. Et je me rends compte qu'en fait, il apprend très bien juste par l'écoute et par la lecture. Et du coup, j'essaie de faire la même chose avec mes élèves. N'inquiétez pas, c'est la dernière question. Ah non, il y en a deux. Désolé. À votre avis, enfin, quel a été ou quel est le plus gros défi en tant qu'enseignante? Enseignante de français ou enseignant tout court? Comme vous voulez. Le plus gros défi, c'est c'est peut-être de rester d'actualité, de jamais oublier qu'en fait, notre public, c'est les élèves, et que pas parler de ce qui nous intéresse, nous, en fait. Même si, en fait, c'est pas forcément vrai. Quand j'ai un rapport avec eux, je peux leur parler de choses qui m'intéressent, moi, et ça les intéresse parce qu'on a un bon relationnel. Et si je leur parle de choses qui les intéressent, je peux le faire en français et ça passe très bien. On peut parler de plein de choses. On peut avoir des discussions que je n'aurais pas cru pouvoir avoir. On peut parler, d'harcèlement scolaire, de choses comme ça. Et on le fait en français et ça passe très bien parce que c'est des choses dont ils ont envie de parler, ils ont envie d'apprendre sur ces choses-là. Et il ne faut juste pas oublier, quoi. Il ne faut juste pas oublier Il faut adapter la langue à leur niveau, le niveau de langage à leur niveau, mais on peut parler de plein de choses du moment qu'on arrive à les captiver. Ouais. Et là, c'est vraiment la dernière, comme ça vous serez une femme libre. Après, quel est votre meilleur souvenir d'enseignante? Est-ce que vous en avez un ou plusieurs? C'est comme vous voulez. J'en ai plein. Franchement, j'en ai plein. Mes meilleurs souvenirs, c'est toujours des moments que je partage avec mes élèves. Des moments où je me rends compte que mes élèves, il y a une petite lumière qui s'allume et que waouh, ils sont contents et ils ont aimé quelque chose. Mais vraiment, les meilleurs, c'est quand je revois mes anciens élèves et de partager des moments avec eux où ils me disent « Ouais, vous vous souvenez, on avait fait ça ?» Et moi, je ne m'en souviens pas forcément toujours. C'est ça le problème. Alors, c'est ça. J'ai aussi, un peu plus d'une centaine d'élèves tous les ans. Donc, quand... Il y en a un qui m'écrit d'il y a 8 ans, par exemple. Je ne me souviens pas forcément de son nom. Mais les élèves qui reviennent, qui m'envoient des mails, là, je pense que c'est un peu à cause du virus et tout ça en ce moment. Mais j'ai pas mal d'élèves qui m'ont envoyé des mails en disant « Ouais, je pensais à vous, c'était super. » Et tout. Ça, c'est ma motivation de tous les jours, en fait. Donc, si je vous pose la question, comment vous la posez dans 5 ans? Donc, dans 5 ans, vous serez toujours prof, alors? Ben, franchement, je pense, je ne me vois pas... Je sais qu'il y a des gens qui se disent « Ouais, je me lève le matin, je n'aime pas aller au travail. » Ce n'est pas quelque chose... 7 ans, maintenant, ça fait 7 ans que je fais ça. J'aime toujours aller au travail, même par les temps difficiles. Le contact avec les élèves, c'est quelque chose vraiment qui est génial. Et je ne me vois pas faire autre chose pour l'instant. Ah ben, merci.